crois qu'il faut marquer peut-être un temps d'arrêt sur nous citoyens, nous expliquer avec vos mots finalement, quel est le bilan que vous tirez de cette expérience de la société civile et qu'est-ce qu'elle a à dire à un moment où il semblerait quand même que la France traverse, sinon une crise économique très grave, en tout cas une stagnation qui dure et où on ne trouve pas la solution, ou même tout ce qui est mis en œuvre, c'est un peu le paradoxe de la situation actuelle, tout ce qui est mis en œuvre par le gouvernement actuel semble voué à l'échec. Et donc, qu'est-ce que la société civile a à dire face à ce spectacle finalement qu'on a à la rentrée? Qu'est-ce que nous, citoyens, peut faire pour essayer de changer la donne? Nous, citoyens, c'est un mouvement politique, effectivement, que j'ai fondé il y a maintenant un an. C'était un appel de 100 citoyens en septembre dernier à un réveil de la société civile par rapport à des partis traditionnels qui s'enfermaient dans le déni, qui refusaient de voir la situation telle qu'elle était, qui refusaient de poser un diagnostic clair de la situation du pays. Et en fait, je me suis lancé parce que, comme beaucoup de Français, je pense que j'avais très mal vécu la présidentielle de 2012, où on avait assisté à un concours de bouc émissaire. Hein. C'était la faute aux riches pour les uns, la faute aux étrangers pour les autres, la faute aux Allemands, à l'euro, à Merkel, aux Chinois, à tout le monde, sauf à nous. Nous, on n'avait pas du tout à se remettre en question. Et les seuls sujets dont on parlait étaient des sujets un peu périphériques, la viande halal, le coût du permis de conduire. Et donc, il n'y avait pas de vrai débat. Il n'y avait pas de vrai débat. Et on a un président qui a été élu sur, finalement... une espèce de statu quo, on allait toucher à rien, on parlait du changement ou du vrai changement maintenant, mais on allait recruter 60 000 fonctionnaires de plus, on allait surtaxer encore un peu plus les riches et les faire quitter le pays, on s'attaquait aux riches plutôt que de s'attaquer à la pauvreté, qui est le vrai sujet. Et donc c'est face à cette situation de déni, et de refus de voir la réalité telle qu'elle était, qu'on a été un certain nombre à décider de s'engager. En fait, moi, ce qui a déclenché, ce qui a été le phénomène déclenchant, c'est que je faisais des conférences à ce moment-là, j'avais un petit peu plus de temps, je venais de vendre effectivement ma deuxième société UPS, et j'y allais pour parler d'entrepreneuriat, d'innovation, et en fait, je n'arrivais pas à parler de ça. J'allais devant des publics très variés, d'ailleurs, d'étudiants, de chefs d'entreprise, bien sûr aussi, mais de cadres, de femmes au foyer. Et les gens m'interrompaient parce qu'effectivement, j'avais aussi créé Croissance Plus, j'avais fait partie des pigeons, donc les gens savaient que j'avais une implication dans le combat politique indirectement. Et donc les gens m'interpellaient uniquement là-dessus et me disaient, mais monsieur Père, qu'est-ce qu'on peut faire ? Me disaient, la prochaine fois, c'est sûr, on vote Front National, hein, parce qu'au moins, on ne les a pas essayés. Je disais, malheureux, mais faites pas ça. Ils disaient, mais on fait quoi ? On vote pour qui ? Un jour, une dame me dit... une mère de famille, une lyonnaise d'ailleurs, j'étais devant des lyonnais de Paris, je suis lyonnais, donc j'allais voir des lyonnais de Paris, elle me dit, mais qu'est-ce qu'on dit à nos enfants ? Moi j'ai 4 enfants, effectivement j'ai été interpellé, j'ai marqué un temps d'arrêt, j'ai dit, écoutez, qu'est-ce qu'on dit à nos enfants ? J'en sais rien, on est un peuple intelligent, on va trouver la solution, j'ai fait une réponse d'entrepreneur optimiste, on va trouver la solution, et puis en rentrant chez moi, je me suis dit, mais au fait, c'est quoi la solution ? C'est quoi la solution ? Est-ce que c'est pas que la société civile reprenne son destin en main, reprenne la parole face à cette situation dans laquelle, que ce soit la gauche ou la droite, on ne nous parle pas des vrais sujets. On passe complètement à côté du sujet, des sujets. Et effectivement, moi j'avais vu en tant qu'entrepreneur pendant des années à quel point on ne faisait pas ce qu'il fallait dans mon domaine, que je connaissais bien. On poussait les gens à quitter le pays, on déplafonnait l'ISF, on taxait les gens sur un paquet d'actions qui ne rapportaient rien, qu'on ne pouvait pas vendre, leur demander un impôt sonnant et trébuchant tous les ans, on pouvait pas payer, des situations aberrantes. Et je me rendais compte qu'en fait, c'était ça dans beaucoup de domaines, que dans beaucoup de domaines, il y avait un décalage complet entre les politiques qui étaient mises en œuvre et la réalité au quotidien des Français. Et donc c'est face à ça qu'on a décidé de se mobiliser. Et ça a plutôt très bien marché. Il y a effectivement 12 000 citoyens qui ont répondu à l'appel. Aujourd'hui, on est un des mouvements politiques les plus importants du pays, hein, en seulement un an. Hein. Le Nouveau Centre a 6 000 adhérents. Nouveau Centre qui existe depuis toujours, hein, depuis Jean Le Canuet. En un an, on a deux fois plus d'adhérents que le Nouveau Centre, par exemple.
Donc ça a très bien fonctionné. On a participé à un certain nombre d'échéances électorales. On a participé aux municipales. On a eu une cinquantaine d'élus sur des listes qu'on a labellisées avec des engagements en contrepartie de bonne gouvernance, de transparence. On a participé aux européennes où on a fait un score tout à fait honorable, je pense, pour 266 468 voix. C'est précis, effectivement. Ah, il y a le dossier. Absolument, avec des scores très variables en fonction des régions. Quand on avait des militants engagés, on faisait des scores qui pouvaient être remarquables. On a même fait 19% à Bondu dans la région de Lille. On a fait 8% à Saint-Didier au Mont-d'Or, qui est une commune de la région de Lyon. On avait un chirurgien qui s'était engagé, qui est allé tracter tous les dimanches matins. Alors comment on fait ? Je ne sais pas si vous avez vu la série Borgen. Non, je ne l'ai pas vu, mais on a beaucoup parlé. Il faut que je regarde. Vous inspirez. Il faut que je regarde. Ouais. Danemark raconte l'histoire d'une. Alors, c'est une première premier ministre qui perd son poste et qui essaye de recréer un parti dans l'un des épisodes de la série, et elle rencontre effectivement la difficulté de reconstituer d'abord, alors plutôt un peu comme vous, dans la société civile. Des cadres. Alors comment est-ce qu'on trouve, comment on recrute des cadres qui ont envie de s'engager en politique et qui en même temps, parce que c'est toute la difficulté qu'on voit bien dans la série, qui correspondent à ce que vous avez décrit, c'est-à-dire la volonté de son fondateur et une certaine ligne quand même politique dont vous allez nous parler, mais qui n'est pas forcément, si on ratisse large et si on vient de la société civile, on peut avoir parfois de curieuses surprises. Alors, on fait comment ? En fait, c'est une start-up, quoi, hein. On l'a conçue comme telle, quoi, hein, avec un business plan, avec une petite équipe de base, avec quelques moyens. Moi, j'ai commencé par faire un prêt au mouvement, hein, dans la limite de ce qui était autorisé. Assez rapidement, on a réussi à trouver des moyens. On a levé pratiquement 1 million d'euros, hein, en un an. Alors, je tiens à vous dire que ce n'est pas tout à fait fini. On a encore besoin de moyens. Donc, à l'occasion, si vous y croyez, n'hésitez pas à contribuer, hein. Il y a de fortes incitations fiscales dans ce domaine-là, c'est un des rares domaines où il en reste, et tant mieux d'ailleurs. C'est le Sarkozy, voilà. Et on recrute des gens qui y croient, mais on n'a pas eu de mal. La niche est considérable. 66%. Le niveau de frustration, oui, non, au plan fiscal, mais le besoin de renouvellement du discours politique, il est considérable. Donc, on n'a eu aucune difficulté à trouver des gens qui étaient prêts à s'impliquer. Et on a des gens effectivement remarquables qui sont des bénévoles pour la plupart. Hein. On a un réseau régional d'une vingtaine de correspondants qui sont souvent des gens très engagés par ailleurs, qui sont des cadres, des chefs d'entreprise, qui ont des agendas très chargés, mais qui trouvent le temps également de passer du temps à nous aider. Puis on a quelques permanents, pas beaucoup, on a une petite équipe de 3 permanents. Et avec ça, voilà, on s'est battu. Et en fait, ce qu'on a fait, surtout, dès le départ, on a commencé par travailler, ce que ne font pas les partis traditionnels. Et Jean-Marie qui est là, je pense, vous le confirmera tout à l'heure, les partis traditionnels ne travaillent pas. Les partis traditionnels, c'est des écuries électorales pour aller chercher des mandats, des jobs, des rémunérations, des statuts. C'est la seule chose qui compte. Alors certes, c'est important, évidemment, de chercher à avoir des élus. Mais ne travailler que pour ça, ça conduit à la situation du pays. Ça conduit à ce que j'ai évoqué tout à l'heure, une présidentielle de 2012. On ne nous parle pas des vrais sujets. On ne parle que de sujets périphériques. Et on ne fait pas de propositions. On n'a pas travaillé sérieusement sur ce qu'étaient les problèmes du pays. On n'a pas fait le travail de pédagogie en amont. Et donc, on a commencé par faire ce travail. On a choisi un certain nombre de thématiques programmatiques. On a réuni des bénévoles. On n'a pas de mal à trouver des bénévoles très compétents. Par exemple, on a fait toute une série de propositions sur la réforme de la dépense publique. On avait 100 personnes qui travaillaient, des gens extrêmement pointus, des cadres en entreprise, des chefs d'entreprise, bien sûr, des gens, des consultants en management qui avaient travaillé sur des problèmes de refonte d'organisation, des processus de gestion du changement, qui connaissaient bien ces problématiques. Et puis, bien sûr, aussi beaucoup de hauts fonctionnaires qui nous ont rejoints. On a des membres éminents de la Cour des comptes, on a des cadres de Bercy avec nous, on a même des contrôleurs des impôts qui nous aident dans nos commissions. On a vraiment toute la société civile dans toute sa diversité et on n'a pas de mal à trouver des gens qui ont envie de faire ce travail sérieux de proposition de réforme du pays. Et donc on s'est exprimé, on a sur 5 commissions en fait depuis le début. La première qui a travaillé, c'est celle qui a travaillé sur le fonctionnement de la vie politique parce qu'on pense que c'est la clé du sujet. On pense que c'est là que se trouve le principal problème que nous avons à résoudre. Le constat qu'on fait, c'est que la vie politique, elle est dominée par 2 profils. Elle est dominée par des politiques de carrière, des gens qui sont dans des logiques de réélection à tout prix, qui sont plus du tout au service de l'intérêt général, mais uniquement à leur service, tout simplement parce qu'ils en ont fait leur métier à vie. Pour nous, la politique, ça doit être un engagement de relativement courte durée, pas quelques années nécessairement, mais relativement courte durée. On ne peut pas faire ça toute sa vie. Quand on fait ça toute sa vie, eh bien, on a les comportements
aberrant, déconnecté qu'on a encore vu récemment avec un député de Saône-et-Loire. La phobie administrative. La phobie administrative, ou un jeune élu député européen qui, le lendemain de son élection, avoue les pires turpitudes à la tête de l'UMP. Des gens qui perdent tout sens des réalités parce qu'ils n'ont jamais fait que ça et que la réalité, ils ne la connaissent pas. Et donc, ce qu'on a proposé, ce qu'on a dit, c'est qu'on ne pouvait pas continuer à avoir des gens qui font ça toute leur vie. C'est juste pas possible. Et donc on a proposé qu'on ne puisse pas faire plus de 3 mandats successifs, pas plus de 4 mandats dans une vie, c'est déjà beaucoup, mais ce n'est pas toute une vie. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième profil dominant, c'est qu'on a beaucoup de fonctionnaires en politique. Alors c'est bien, il en faut, et c'est normal que les fonctionnaires s'engagent comme tous les autres, sauf qu'ils ont un privilège d'accès à la vie politique, qui est un véritable, d'ailleurs, déni de démocratie, il faut bien le dire. Quand on est fonctionnaire, qu'on s'engage en politique, on ne prend aucun risque. Quand on est élu puis battu, on retrouve son job avec l'ancienneté. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à l'Assemblée, on a 55% de fonctionnaires, alors qu'ils ne représentent que 20% de la population active. Moyennant quoi, on a une surreprésentation de la fonction publique au sein des appareils politiques. Et si vous regardez bien, d'ailleurs, que ce soit à gauche ou à droite, les partis sont dominés par des fonctionnaires. Là, encore une fois, il en faut. Et c'est normal qu'ils se battent et qu'ils soient engagés. Et ils ont leur rôle à jouer, ils ont leur chose à dire, bien sûr. Mais qu'ils dominent, ça n'est pas normal. C'est beaucoup le cas à gauche, mais c'est vrai à droite. Regardez la relève à droite, c'est pratiquement tous des énarques. Rien contre les énarques. On a souvent des gens de grande qualité parmi les énarques, mais on ne peut pas avoir que ça à la tête des partis politiques. Denis, je vous arrête. Pécresse, Wauquiez, Le Maire, Juppé, tous des énarques. Je vous arrête une seconde, je voudrais vous citer une... Vous applaudirez à la fin, vous allez voir, il y aura de quoi, certainement. Je vais citer une phrase et savoir si vous savez à qui elle est attribuée. Le destin de la France est trop important pour être confié à quelques-uns qui n'ont jamais croisé la réalité de la vie économique contemporaine. Ça, mais c'est très bien dit. Elle a été prononcée récemment par quelqu'un qui s'inspire de Clémenceau. Vous vous souvenez de la phrase « La guerre est une chose trop sérieuse pour être confiée à des militaires ». Elle est d'Emmanuel Macron. Alors, ma question, venant de vous entendre là à l'instant sur ce sujet, c'est est-ce qu'Emmanuel Macron pourrait faire partie de nous, citoyens ? Et on va revenir sur votre programme, bien sûr, mais pour rentrer et être un petit peu sur cette actualité, qu'est-ce que vous pensez, finalement, du mouvement qui semble être engagé ? Est-ce que quelque chose a changé en ce début d'automne au gouvernement ? Emmanuel Macron, il a c'est un énarque inspecteur des finances, quelqu'un de brillant. Il a le mérite d'avoir passé un peu de temps dans l'entreprise, dans une banque d'affaires. Bon, peu de temps, 1 an et demi, je crois. Ben, c'est mieux que rien. Nous, ce qu'on a recommandé, c'est que des fonctionnaires qui ont un contact avec l'entreprise, avec l'économie, aient passé au moins 5 ans dans l'entreprise, dans des postes de responsabilité. Donc, pour nous, ce ne serait pas suffisant. Macron ne pourrait pas être ministre. Non, il ne pourrait pas être ministre. Il ne pourrait pas diriger une administration. Il ne pourrait pas diriger une administration. Bon, néanmoins, la phrase, bien sûr, elle est parfaitement pertinente. Il y a un problème de connaissance de la réalité économique. Bien entendu. Ce que je pense de la situation actuelle, c'est que nous, on a applaudi le discours de François Hollande lors de ses voeux. On a applaudi le discours de Manuel Valls, de politique générale déjà à l'Assemblée quand il est arrivé, et bien sûr le discours à HEC, au MEDEF. Donc tout ça, effectivement, va dans le bon sens. Mais on voit bien que c'est très compliqué de mener une politique qui est exactement à l'inverse de ce pourquoi vous avez été élu. Ils ont été élus sur un programme complètement différent. À la limite, moi, je me mets à la place des frondeurs. Je ne suis pas du tout d'accord avec eux, mais je me mets à leur place. Il n'a absolument pas été élu avec ce mandat. On nous a longtemps dit, vous savez, en France, l'essentiel, c'est de se faire élire, puis après, on fait ce qu'il faut. Mais ça ne marche pas, ce n'est pas possible. Les changements sont tellement fondamentaux, qu'il faut avoir été élu avec un programme totalement explicite. Aujourd'hui, on risque de ne pas se faire élire, c'est ça le problème. C'est pas sûr. En tout cas, c'est un pari. C'est un pari comme tous les paris politiques, ouais. Et comme tous les paris électoraux. Mais regardez Manuel Valls, justement, après son discours à l'Université d'été du MEDEF, sur « J'aime l'entreprise », tous les sondages montraient que les Français le soutenaient. Plus de 60% des Français pensaient qu'il fallait continuer cette politique pro-entreprise, et plus de 60% pensaient aussi qu'il fallait continuer à réduire la dépense publique. Donc on voit bien, quand on fait de la pédagogie avec un discours de bon sens, les Français ne sont pas idiots, les Français écoutent. Comment vous interprétez le divorce avec François Hollande ?
par la campagne, par le fait qu'il n'a pas été élu pour ça. Il n'a pas été élu pour ça. C'est quand même le président qui incarne cette politique, qui a choisi le Premier ministre, qui va la mettre en œuvre. Donc il doit être d'accord avec lui. Il a été élu sur un programme qui revient, qui n'est absolument pas celui-là, qui consiste à rajouter encore une fois 60 000 fonctionnaires, à taper sur les riches. On n'est absolument pas sur cette politique-là. J'aime l'entreprise. Et encore une fois, les réformes à faire sont des réformes tellement fondamentales, tellement structurelles, qu'il faut une majorité extrêmement forte. Il faut avoir fait le travail de pédagogie avant. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour remettre les finances publiques déjà d'aplomb ? Il y a un problème de productivité absolument majeur dans la fonction publique, majeur. À Montpellier, vous avez 38 jours d'absentéisme. Par an, ça fait 2 mois en jour ouvré. Hein. Ça fait 2 mois, en plus de 7 semaines de congés payés. Plus de 7 semaines de congés payés. Vous avez dans la fonction publique un niveau d'absentéisme qui est 2 à 3 fois supérieur à celle qu'on observe dans le privé. Il faut revenir à 39 heures, peut-être pas payer 35, peut-être payer 36, et l'heure de plus pourrait être un bonus qui serait lié à des objectifs, par exemple. Il faut revenir à 5 semaines et arrêter de partir 6, 7, 8 semaines en vacances pour les fonctionnaires, pour tous les Français d'ailleurs, je pense. Vous pensez vous faire élire sur un programme comme ça ? Moi, je pense que les Français aujourd'hui sont suffisamment, une majorité, et suffisamment raisonnable pour entendre ce discours-là. Je pense que oui. Je pense qu'il n'y a qu'une minorité qui est prête à suivre des discours qui consistent à rester dans le déni. Le champion de ce type de discours, c'est le Front National, on le sait très bien. Le Front National, ça n'est que du déni et ça n'est que de la dénonciation de boucs émissaires. C'est la faute aux étrangers, à l'euro, à l'Allemagne. Ça n'est surtout pas notre faute. Et d'ailleurs, on voit bien qui rejoint le Front National aujourd'hui. Ce sont les tenants du statu quo. Ce sont de plus en plus certains militants de la CGT, pas tous, parce qu'il y a la CGT comme partout des gens très clairvoyants, mais des militants de la CGT, par exemple, qui rejoignent le Front National. Et d'autres syndicats. Qui ne veulent rien changer, qui ne veulent rien remettre en question, qui sont trop contents de la situation actuelle, qui en bénéficient. Aujourd'hui, je pense qu'une majorité de Français, encore une fois, les sondages après le discours de Manuel Valls le prouvent, supportent aujourd'hui la politique du gouvernement. Simplement, encore une fois, un gouvernement qui a été élu sur un programme A ne peut pas appliquer un programme B qui est radicalement à l'opposé. Donc moi, je crains que d'ici 2017, il ne se passe pas grand-chose, qu'il y ait des tentatives et que nous soutiendrons, parce qu'on est dans une démarche effectivement totalement non-partisane. On pense qu'aujourd'hui, effectivement, le clivage droite-gauche n'a plus de sens. Dans une situation aussi grave, aussi catastrophique, les clivages n'ont plus de sens. Il faut rassembler très largement, à droite, à gauche, au centre. Et le centre est évidemment bien placé pour ça. Jean-Marie en est issu. Il n'y a pas de rapprochement, d'ailleurs, au passage avec le centre, hein, à l'heure actuelle. Ce n'est pas parce que Jean-Marie Cavada est issu de l'UDI. Hein, il est à l'UDI, il le dira très bien mieux que moi tout à l'heure, parce que l'UDI est pro-européen. Et que il considère que l'Europe, c'est important. Nous aussi, on s'est beaucoup battu. Là-dessus, on avait le même discours, d'ailleurs, pendant la campagne. Pratiquement le même discours. Et donc, aujourd'hui, le clivage droite-gauche n'a plus beaucoup de sens. En tout cas, tant que les problèmes structurels du pays ne sont pas résolus. Et donc, encore une fois, pour mettre en œuvre ces réformes qui sont extrêmement complexes et ambitieuses, il faut aussi, j'ai parlé des problèmes de productivité, il y a des problèmes d'organisation majeurs, il faut arrêter de réformer au rabot, de diminuer, de faire des économies sur les gommes et les crayons, ou d'aller au plus facile, aller voir l'armée, par exemple, parce que l'armée, c'est facile, ils obéissent, petit doigt sur la couture du pantalon. Donc c'est tellement simple d'aller diminuer la dépense de l'armée. Aujourd'hui, la France n'a plus les moyens d'intervenir. Il faut intervenir sur 3 théâtres d'opération actuellement. On n'a plus les moyens de le faire. Donc arrêter la facilité, parler des vrais sujets, remettre à plat le fonctionnement des administrations et en particulier avoir un vaste programme de décentralisation. On va y revenir, on va revenir beaucoup plus en détail sur votre programme. Dans un journal, un magazine qui est partenaire de La Tribune, bien connu, acteur de l'économie à Lyon, qui vous a consacré une couverture, sa croisade pour réformer la France entrepreneuriale, il y a, pour donner la référence, il y a quelques mois. Vous avez dit quelque chose que vous aviez également dit, je crois, à la télévision, c'est vous dites « la France est une surdouée, malmenée, qui s'ignore ». Alors, je vais revenir sur ce point, parce que c'est important, c'est ce qu'on entend souvent, d'ailleurs, dans le monde entrepreneurial. En gros, on a beaucoup de talent, mais on avance avec des boulets aux pieds. Est-ce que vous pourriez nous décrire quels sont ces blocages, quels sont ces boulets que vous voudriez lever, dont vous pensez qu'il y a matière finalement à avancer ? Quels sont les principaux blocages ? Vous avez cité le blocage de la classe politique, oui.
Et si on rentre plus en profondeur, quels sont-ils ? Alors, effectivement, enfin, c'est important de rappeler, je vous remercie Philippe de l'avoir rappelé, que notre principal message est un message qui est extrêmement optimiste. La première tribune qu'on a publiée dans Le Monde quand on a annoncé le mouvement était intitulée, effectivement, « La France, une surdouée qui s'ignore ». Moi, je suis absolument convaincu que ce pays a absolument tout pour réussir, particulièrement dans la mondialisation. Et j'en suis convaincu parce que je suis passé par là. Je l'ai vécu. On est parti de rien. Mais on peut réussir. Avec 10 000 euros, il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années, avec mes équipes, avec mes collaborateurs, mes associés, et je l'ai fait deux fois de suite. On s'est lancé dans des secteurs dominés par les Allemands et les Américains, et à chaque fois, on a réussi à jouer en Coupe du Monde. On peut y arriver. On peut très bien y arriver. Les Français ont un talent exceptionnel. Ils ont une créativité exceptionnelle. On a inventé beaucoup de choses en France. On l'a souvent oublié. On a co-inventé l'aviation avec les Américains. On a co-inventé l'automobile. On a inventé le cinéma à Lyon, la photographie, pas très loin. On a une tradition d'innovation qui est connue souvent dans le monde artistique, mais qui est vraie aussi dans le monde industriel. On a une capacité à remettre en cause les statu quo qui est exceptionnelle. Donc on a cette créativité exceptionnelle. On a une capacité à maîtriser la complexité qui est exceptionnelle aussi. Et donc, on a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour réussir, particulièrement dans la mondialisation. En plus, on a la chance d'avoir une marque, la marque France, des locaux comme ça, on comprend de quoi on veut parler, qui fait rêver le monde entier. Donc, c'est surtout pas le moment de se replier sur nous-mêmes et de dire au reste du monde qu'on ne l'aime pas, alors qu'on a absolument tout aujourd'hui, qu'on fait rêver le monde entier. Par contre, effectivement, on a un pays qui est particulièrement mal géré. Donc alors, c'est un message qui est extrêmement optimiste. Alors quels sont les blocages ? Quels sont les blocages et comment lever ? Quels sont les vrais verrous et les fausses pistes ? Pour moi, il y a deux grands sujets. Le premier, j'ai commencé à en parler, il y a un État qui est mal géré. Il y a un État laxiste avec des problèmes de gouvernance majeurs dont j'ai commencé à parler. Mais les problèmes de gouvernance, c'est quoi ? C'est par exemple qu'aujourd'hui, ce sont les syndicats, et j'ai rien contre l'engagement syndical, c'est parfaitement respectable, mais ce sont les syndicats aujourd'hui qui gèrent le personnel dans l'éducation nationale et dans les hôpitaux, par exemple. Est-ce que c'est normal ? Et ça explique en particulier pourquoi on a un des systèmes éducatifs qui est à la fois un des plus coûteux des pays développés, qui coûte entre 20 et 30 milliards, selon les estimations, de plus que ceux de l'Angleterre et de l'Allemagne à population d'élèves équivalente. 20 à 30 milliards de plus, 30 milliards, c'est le budget de la défense, justement. Et qui est un des systèmes les moins performants des pays développés. PISA nous l'a rappelé récemment. Et où, en plus, on réussit l'exploit d'avoir des profs qui sont parmi les moins bien payés des pays développés. Tout ça parce que le système est mal géré, alors il manque de décentralisation. Surtout en primaire, c'est moins. Surtout en primaire, oui, d'accord, mais enfin, c'est beaucoup d'effectifs. Je crois que c'est 17% de moins dans le secondaire et 30% de moins dans le primaire, effectivement. Mais enfin, dans les deux. Donc c'est assez étonnant. On est un des pays qui dépense le plus, qui a les résultats parmi les moins bons et qui a les profs parmi les moins bien payés. Alors, il y a pas mal de raisons, mais une des raisons, c'est entre autres qu'on a une gouvernance qui ne fonctionne pas. La direction, la DRH de l'éducation, ce sont les syndicats. J'ai rencontré, moi, il n'y a pas très longtemps, un ancien recteur d'académie qui me disait j'avais un quota de 10% de profs que je pouvais promouvoir sur des critères objectifs. Un prof de maths qui donnait des cours du soir à des décrocheurs, ou un prof d'histoire qui emmenait ses élèves à Rome. Mais dans les faits, je ne pouvais en promouvoir que 5%. Je disais, mais c'était qui que les autres étaient promus par qui ? C'était décidé par les syndicats. Et je lui dis, sur quel critère ? Il me dit, sur un critère d'ancienneté dans le syndicat. C'est normal que ça ne marche pas. Une organisation de 900 000 personnes dont la promotion est décidée sur un critère d'ancienneté dans le syndicat. C'est normal que ça ne marche pas. Donc ce que vous proposez, mais ça date, c'était le fameux mammouth de Claude Allègre, c'est de décentraliser la décision. Entre autres, non seulement de décentraliser, d'avoir des responsables d'établissement qui soient des vrais managers, qui soient des patrons, qui décident avec qui ils veulent travailler et que les enseignants décident aussi avec qui ils veulent travailler. Qu'il y ait des objectifs, qu'il y ait une évaluation régulière, qu'il y ait une évaluation tous les ans, probablement, de ce qu'on appelle la valeur ajoutée pédagogique, c'est-à-dire quel est le progrès qu'a fait l'élève dans la période donnée, on mesure au début de l'année, à la fin de l'année, etc. Et puis que les syndicats soient plus le DRH de l'éducation. Donc, des problèmes de gouvernance majeurs, des problèmes de laxisme majeur, de manque d'exigence. Vous parlez de sureffectif dans la fonction publique. Bien sûr, de sureffectif, bien sûr. On pourrait réduire la taille. De 800 000 personnes. À peu près, qu'il faudrait que si on avait, et Jean-Marie le dit très bien, sûrement mieux que moi, que si on avait, qu'en 1980, on avait, je crois, 2,5 millions de fonctionnaires, que vu le nombre de fonctionnaires qu'on a aujourd'hui, on pourrait être 110 millions alors qu'on n'est que 65 millions. On a aujourd'hui une hausse du nombre de fonctionnaires qui est totalement injustifiée, mais il ne faut pas le faire de façon brutale, et ce débat, il faut le poser. Et d'ailleurs, si on ne le pose pas, il va nous être posé par les créanciers du pays.
On emprunte tous les jours 800 millions d'euros pour financer les frais de fonctionnement. Ça va s'arrêter un jour. C'est évident. Là, on a la chance d'avoir des taux qui baissent tous les jours. Moi, je ne comprends pas, mais tant mieux. On est un peu en déflation quand même. Ouais, bon, d'accord, mais il va arriver un jour où les créanciers vont dire, écoutez, les Français, vous êtes gentils, mais nous, on n'y croit plus. Quoi, peut-être hein. Plus vite qu'on, donc, qu'on ne et donc, pense, ce jour-là, ça pourrait se retourner plus vite. Mais bien sûr, pense. Ça s'est toujours retourné plus vite. Toujours. Regardez les Lehman Brothers. Ils étaient classés, pas triple A, mais double A, je crois, avant de disparaître. Donc, la veille du jour où ils disparaissaient. Donc, ces choses-là, ça bouge très, très vite. Moi, j'ai géré une société cotée aux États-Unis, effectivement. La confiance, vous la perdez du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Tout d'un coup, les gens n'y croient plus. Quoi. Ils y ont cru pendant longtemps, puis après, ils n'y croient plus, c'est terminé. Ils n'y croient plus. Donc, alors, donc on a... l'État, vous êtes également... Mais juste pour terminer, sur les 800 000 fonctionnaires, il ne faut pas le faire de façon brutale. Il faut le faire en se concertant. Il faut profiter, bien sûr, des départs à la retraite. Il faut inciter au départ. Et on peut les trouver sur une période de 5 ans. Ce n'est pas non plus en quelques années. Mais si on ne le fait pas, si on le fait pas, on va être obligé de le faire, encore une fois. Et on va être obligé de remettre à plat le modèle français dans l'urgence, et ça sera beaucoup plus brutal, donc c'est même l'intérêt des fonctionnaires. C'est pour ça qu'on en a beaucoup avec nous d'ailleurs, bien sûr, qui ont parfaitement compris qu'il valait mieux s'asseoir autour d'une table et discuter plutôt que de subir. Si on devait mesurer à quel point vous êtes radical, quand on prend la réforme territoriale, qui est essentielle aussi pour réformer l'État, au sens très large, vous dites 8 régions, là où on est arrivé pour l'instant péniblement à 13. 8 régions, fin du département, comme en tout cas... échelon administratif et fusion des communes. Donc là, vous vous attaquez quand même sans doute à un des blocages les plus durs. C'est indispensable. On a 12% de la population européenne et 40% des collectivités locales d'Europe. On a construit la moitié des ronds-points d'Europe dans ce pays. Enfin, je veux dire, y a un problème, quoi. Mais pas à force de construire des ronds-points, on finit par tourner en rond, c'est ça. On a nos 36 000 communes. Et ce qu'on propose d'ailleurs est très simple et très pragmatique. Les communes se sont déjà regroupées en collectivités de communes. Alors très souvent, en recréant des organisations, sans diminuer les effectifs, sans les fusionner. Et donc il y a un vrai problème de gouvernance là aussi, mais qu'on adresse, sur lequel on a des propositions à faire. Et donc ce qu'on propose, c'est de regrouper les communes effectivement autour des collectivités de communes et de décider que les collectivités de communes soient désormais les communes. Et donc n'en avoir plus que 3 500. Alors, les maires resteront, mais seront l'équivalent de maires d'arrondissement. Célébrerons les mariages, continuerons d'avoir une relation directe avec la population, avec les élus, avec la population locale. Mais il n'y aura plus des services administratifs dupliqués, répliqués partout, comme c'est le cas aujourd'hui, avec des problèmes, évidemment, de mutualisation, de synergie, de coûts gigantesques. Donc effectivement, il y a un premier vaste sujet qui est effectivement le sujet de la dépense publique, avec des problèmes de productivité, d'organisation, de gouvernance, sur lesquels on a fait effectivement une série de propositions, mais ce débat, il faut qu'il ait lieu. Vous vous rendez compte ? Un président qui a été élu en parlant absolument pas de ça, il ne peut pas remettre ça en question du jour au lendemain. Donc il faut qu'il y ait un débat. En même temps, reconnaissons qu'il essaye de le faire. Non, mais bien sûr, on le reconnaît. Avec des allers-retours et des zigzags. Non, mais on le reconnaît et on applaudit. On applaudit le discours. Après, on les actes, évidemment, comme tout le monde, mais bien sûr, on est enchanté et on essaie de... Je veux dire, par là, c'est pas lui qui, pour le coup, qui freine. C'est plutôt la fameuse classe politique dont vous parliez tout à l'heure, qui résiste. C'est pas lui qui freine, c'est lui qui s'est fait... C'est un blocage. Le vrai blocage, c'est la classe politique. D'accord, bah c'est lui qui s'est fait élire sur un discours qui était totalement déconnecté de cette situation. Voilà, il fallait une taxe à 75%, il fallait... complètement à côté du sujet. Donc, premier sujet, effectivement, le fonctionnement des administrations, le fonctionnement de l'État, la gestion de l'État, avec plus de sens des responsabilités, une gouvernance différente, etc., une organisation différente, une vraie réflexion sur le fonctionnement effectivement des administrations, sur l'organisation territoriale, etc. On a fait toute une série de propositions là-dessus. On a quelqu'un d'excellent qui travaille là-dessus, qui s'appelle Robert Branche, qui est un ancien manager de Bossard, qui a fait ce travail de coordination de l'équipe de 100 personnes qui a travaillé là-dessus. Et puis il y a tout un autre vaste sujet, donc il y a un grand coup de frein à mettre pour schématiser sur la dépense publique, et il y a un grand coup d'accélération à mettre sur la création d'emplois. Et là-dessus, on a aussi toute une série de propositions qu'on n'a pas encore complètement formulées, mais qui, effectivement, consistent à lever tous les verrous à la création d'emplois. Ils sont assez nombreux, mais il y en a quelques-uns dont on peut parler. Le premier, selon moi, le principal, c'est celui qui est lié au contrat de travail. Quand vous êtes chef d'entreprise, je l'ai été pendant des années, que vous signez un CDI, vous avez la main qui tremble. Vous avez la main qui tremble. C'est-à-dire, s'il se passe quoi que ce soit avec la personne, au bout d'un certain temps, ou la conjoncture de l'entreprise,
carnet de commandes, le retour en arrière est quasiment impossible. Je veux dire, parce que c'est pas une fausse piste. Ah non, c'est absolument pas une fausse piste. Quand vous vous mariez, vous avez la main qui tremble aussi, si j'ose dire. Et donc, le divorce est possible. Il est possible. Il est très coûteux aussi dans la vie civile. Il est possible dans la vie professionnelle. Il est très coûteux dans la vie civile aussi. Oui. Donc, effectivement, on a la main qui tremble aussi. Ce que vous devriez faire, c'est pas changer le CDI, c'est rendre la séparation moins coûteuse. Bien sûr. Pour être très précis. Non, bien sûr, c'est rendre la séparation moins coûteuse et c'est faire en sorte que après, il y a plusieurs options, mais celle qui nous semble la plus simple et ce qui se passe dans la plupart des pays développés, par exemple en Suisse. Hein, vous allez en Suisse, je rappelle que vous avez à peu près 3% de chômage quand on est à 10. Chômage des jeunes, on est à 25%, ils sont à 7 ou 8. Récemment, ils parlaient de mettre le SMIC à 5 000 euros. Donc, on voit bien qu'il y a des pays qui marchent mieux que nous, sans être des pays très exotiques. En Suisse, il n'y a pas de notion de motif de licenciement. On ne rentre pas dans une vaste discussion pour savoir s'il y a eu faute, lourde, grave, etc. À partir du moment où on rentre dans cette discussion, c'est un nid à problème juridique. Donc vous avez certains chefs d'entreprise qui vont même jusqu'à aujourd'hui choisir l'option la plus radicale, inventer des fautes lourdes ou des fautes graves pour partir le plus loin possible en termes de curseur et qui vont mettre les salariés dans des situations très compliquées, qui vont les avoir à l'usure. Tout le monde est perdant dans cette situation. Tout le monde est perdant. Et donc, nous, ce qu'on propose, c'est qu'on ait une grille très claire, avec d'ailleurs une revalorisation de la grille actuelle qui existe, mais qui n'est pas suffisamment... où on n'est pas suffisamment compensé en cas de départ, en cas d'indemnité de licenciement, de façon à ce que les salariés soient décemment compensés et qu'on n'ait plus de débat infini sur le motif. C'est-à-dire que le coût soit connu... Le coût soit connu, prévisible, et que non, les recours... Non, qu'il n'y ait pas de recours juridique. Qu'il n'y ait pas de recours. Et ça, c'est le modèle qui a été mis en œuvre dans tous les pays qui ont retrouvé le plein emploi. Tous les pays qui ont retrouvé le plein emploi, ou qui en sont proches, ont fait ce genre de choses. C'est la seule manière... Aujourd'hui, il y a une étude qui a été faite récemment. On a essayé de le faire, ça, en France, avec l'accord national interprofessionnel. On a essayé d'avancer, il y a des pistes dans cette direction... On voit bien que c'est quand même très très compliqué dans le fonctionnement actuel du travail. Il n'y a jamais rien eu de sérieux. Il y a eu des tentatives, mais qui ne sont jamais allées très loin, parce qu'elles n'étaient pas portées par des gens qui avaient suffisamment de conviction sur ces sujets. Vous savez, il y a une étude qui a été faite il n'y a pas très longtemps, une étude qui s'appelle Companeo. Companeo et MeteoJob, ils étaient deux à mener cette étude, auprès d'un million d'entreprises, auprès d'un million de PME français. L'échantillon est considérable, parce que Companeo est une société qui a un million de clients. Une société d'achat groupé sur Internet pour les PME, 1 million de clients, échantillon considérable. Ils se sont rendus compte qu'un tiers des PME françaises étaient en sous-effectif aujourd'hui. On a 5 millions de chômeurs, on a un tiers des PME qui sont en sous-effectif. Pour quelle raison ? Parce que les chefs d'entreprise signent le moins de contrats de travail possible et vont rechercher toutes les autres formes possibles de contrats de travail, tous les plus précaires les uns que les autres, intérim, CDD. Qui est-ce qui trinque aujourd'hui ? C'est les jeunes. C'est les jeunes en particulier, c'est les seniors. C'est ceux qui ont le plus de difficultés en termes d'employabilité et qui vont se retrouver en CDD, en stage, en intérim, indéfiniment, parce que personne veut signer de CDI, qu'on les signe les plus tard possible, tout simplement parce que le système ne marche pas. Il faut regarder les choses en face, il faut dire la vérité. Aujourd'hui, quand on est chef d'entreprise, on signe le moins de CDI possible, alors qu'on devrait être poussé à faire exactement l'inverse. Et les pays qui ont résolu leur problème de chômage de masse ont compris ça. Donc à nous, maintenant, de parler de ces sujets et de comprendre ce que sont les solutions. On va peut-être passer un petit moment aussi sur la fiscalité, dans ce domaine dont, même à titre personnel, vous avez pu mesurer les effets négatifs. Alors, quelles sont les grandes pistes, finalement, même si votre programme n'est pas complètement abouti, sur lesquelles vous pensez qu'il faut donner la priorité en matière fiscale, qu'il s'agisse des ménages, ceux qui ménages fortunés, évidemment, ou qu'il s'agisse des entreprises? Alors sur la fiscalité, le sujet de la fiscalité, on en revient au débat tout à l'heure sur la dépense publique. Il est très très lié à la dépense publique, parce que la fiscalité n'est que le miroir d'une dépense publique excessive. On a des prélèvements obligatoires qui sont à 46% du PIB en France aujourd'hui, alors que la moyenne européenne est à 40%. Donc on a 6 points de PIB supplémentaires de prélèvements obligatoires. 6 points de PIB supplémentaires, c'est 120 milliards d'euros. 120 milliards d'euros, c'est 4 fois le budget de la défense. On prélève sur la collectivité en France
quatre fois le budget de la défense pour financer notre modèle par rapport à nos voisins européens. Est-ce qu'il est normal que notre modèle, qui n'est pas plus protecteur, qui n'est pas plus social que les autres, il faut arrêter de se raconter des histoires, que la plupart des autres, et je ne compare pas aux États-Unis, je compare à nos voisins européens, est-ce qu'il est normal que notre modèle nécessite de prélever 120 milliards d'euros de plus sur la collectivité que nos voisins européens ? Évidemment que non. Évidemment que non. Donc, le principal sujet de la fiscalité, c'est d'abord le sujet de la dépense publique. Si on a une fiscalité pareille, c'est parce qu'on a une dépense publique hors de contrôle. Rappelez-vous, le poids de la dépense publique dans le PIB en 1974 était de 40%. Il est aujourd'hui de 57%. 17 points de PIB supplémentaires en 40 ans. 17 points de PIB, c'est 340 milliards d'euros. On a rajouté 340 milliards d'euros de dépenses publiques supplémentaires par rapport à 1974, dernière année, vous le savez, d'excédent budgétaire. C'est l'équivalent d'un État régalien. C'est comme si on avait créé un deuxième État régalien à côté de l'État existant, 340 milliards d'euros en 40 ans. Responsabilité partagée par la gauche et par la droite, bien sûr, puisqu'ils ont été au pouvoir tous les deux, alternativement pendant cette période-là, 17 ans pour la gauche, 23 ans pour la droite. Donc le vrai sujet, il est là, c'est un sujet d'abord et avant tout de dépenses publiques. Ensuite, il y a bien sûr aussi des problèmes de répartition de cette fiscalité, elle ne doit pas être confiscatoire, elle ne doit pas être animée par une démarche qui est parfois trop idéologique, dont je parlais tout à l'heure, qui consiste à désigner des boucs émissaires, à se dire que c'est la faute aux riches et donc on va surtaxer les riches. Je crois, j'ai vu récemment que, vous allez me corriger si je dis une bêtise, qu'on a 50% de l'impôt sur le revenu qui est payé par 2% de la population. Là, vous me prenez au dépourvu, mais je vais vous faire confiance. Vérifiez, mais je crois que c'est ça. C'est 50% qui est payé par 2%. En tout cas, il est certain qu'il est très concentré. Excessivement concentré. La richesse aussi. Et vous, avez, et vous le savez, 50% lié. Des ménages qui ne payent pas d'impôts. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal ? Cette ultra-concentration, elle aboutit au fait que la fiscalité est non seulement excessive, mais elle est supportée par une petite partie de la population. Aujourd'hui, quand vous avez du patrimoine, en France, il faut se le dire aussi, quand vous avez du patrimoine, un peu de patrimoine, avec l'ISF tel qu'il existe aujourd'hui, avec également l'impôt sur le revenu, parce qu'il faut se rappeler qu'avant de payer l'ISF, il faut commencer par générer des revenus qui sont extrêmement taxés eux aussi, vous êtes en rendement négatif. Vous êtes en rendement négatif. Vous avez 100 de patrimoine aujourd'hui, vous aurez 30 dans 20 ans. Ça a été démontré par Aldo Cardoso, vous connaissez probablement, pour Fondapol, qui est un ancien patron d'Arthur Andersen, de façon très brillante. 100 de patrimoine aujourd'hui, 30 dans 20 ans. Qui va rester en France dans ces conditions ? Par des fous comme moi qui se battent pour essayer de changer les choses. Quand on a un peu de patrimoine, les gens s'en vont. Vous constatez dans votre environnement, vous voyez beaucoup d'entrepreneurs, qu'il y a eu une accélération. Il y a eu plusieurs vagues de départ. Il y a eu la vague croissance plus, UP 97, donc déplafonnement de l'ISF. Et brillant. Il y a eu beaucoup, mais on disait là, c'était les très riches. Et là, on dit que ce sont les entrepreneurs ou les futurs riches qui sont en train de partir. Récemment, moi, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a raconté qu'un de ses amis, agent d'assurance en Eure-et-Loire, qui avait deux petites sociétés d'assurance MMA en Eure-et-Loire, vient de décider de vendre ses deux cabinets d'assurance pour aller s'installer à l'île Maurice, en disant l'île Maurice, c'est formidable, plein de choses à faire, j'espère pour lui. Mais aujourd'hui, vous voyez, et pour quelle raison ? Pression fiscale, droit du travail. Chaque fois que j'ai un recrutement et que je dois licencier, j'ai droit au prud'homme et à 50 000 euros d'indemnité. C'était le discours de la personne. Après, et donc, oui, aujourd'hui, vous avez des agents d'assurance au fin fond de l'Eure-et-Loire qui décident de vendre tout ce qu'ils ont pour partir à l'île Maurice. Le phénomène est général. Il ne concerne plus uniquement des chefs d'entreprise fortunés, il concerne aussi des petits entrepreneurs qui ne supportent plus l'environnement français, qui ne supportent plus la stigmatisation systématique dont ils font preuve. La stigmatisation systématique par la gauche et par la droite. Nicolas Sarkozy a inventé, vous vous souvenez sûrement, l'exit tax, a réinventé, parce qu'elle avait existé à une époque, elle avait été retoquée par l'Europe, comme une entrave à la liberté de circulation des biens et des hommes, des personnes. Nicolas Sarkozy a réinventé l'exit tax, vous vous souvenez, en pleine campagne présidentielle. Donc à un moment où la dernière mode consistait à stigmatiser les riches, alors que le problème, ce n'est pas les riches, c'est la pauvreté.
Hein, le discours de nous citoyens, c'est réconcilier solidarité et prospérité. Mais une vraie solidarité qui s'occupe des plus vulnérables, des gens qui en ont vraiment besoin, des gens qui dorment dans la rue. Plus de 400 morts dans la rue en France l'année dernière. Pas la pseudo-solidarité qu'on nous sert en France, avec des gens qui partent à la retraite à 50 ans à peine révolus, comme Anne Hidalgo ou comme Alain Juppé, il y en a pour les deux côtés. Hein. Juppé qui est parti à 54 ans. Et donc, une vraie solidarité et une prospérité indispensable pour financer des politiques de solidarité ambitieuses. Et donc Nicolas Sarkozy, parce que c'était la mode, a inventé, réinventé l'exit tax. C'est quoi ? Vous quittez la France, vous devez payer les plus-values latentes. Alors vous restez dans l'espace économique européen, il n'y a pas de problème, vous avez 8 ans pour payer. Vous quittez l'espace économique européen, vous allez par exemple aux États-Unis. Ce que j'ai fait moi dans les années 90 pour aller développer Business Objects, c'était indispensable. La société, le premier marché de la société était aux États-Unis, c'était le marché de référence, il fallait s'y installer quelques années pour assurer le développement de l'entreprise là-bas. Eh bien, si cet exit tax avait existé à l'époque, je n'aurais pas pu le faire. Je n'aurais pas pu le faire. J'aurais dû payer un impôt sonnant et trébuchant sur une plus-value virtuelle, sur un patrimoine virtuel. Ça, c'est une invention de Nicolas Sarkozy. Donc c'est un problème, cette stigmatisation systématique, c'est un problème de toute la classe politique, droite et gauche confondues, qui doit en sortir enfin. Sinon le pays va continuer à s'enfoncer dans les déficits, dans l'endettement, le surendettement, et bien sûr dans le chômage de masse, qui est la conséquence de tout ça. Parlons un peu d'Europe. Quelles sont les positions de nous citoyens par rapport à ce qui se passe en Europe? Évidemment, vous êtes pour l'Europe. Sinon, Jean-Marie Cavada ne serait pas venu vous rejoindre. On connaît son engagement. Est-ce que vous pensez qu'il faut réformer des choses aussi à l'échelon européen? Parce qu'on voit bien qu'à l'échelon de la France seule, on ne va quand même pas très très loin dans la mondialisation. Bien sûr. Nous, ce qu'on a dit sur l'Europe, on a dit que l'Europe, elle était incontournable pour deux raisons. Un, parce que l'Union, elle fait la paix. On est en 2014, on fête le centenaire de 1914. 2 millions de morts, 600 000 veuves, 800 000 orphelins. Enfin bon. Donc, l'Union, ça fait 70 ans qu'on vit en paix, grâce à l'Union, avec nos voisins européens, en particulier avec l'Allemagne. Donc, même si l'Union, elle est terriblement imparfaite, elle a le mérite d'exister et d'avoir garanti la paix pendant les 70 dernières années. Pendant les 70 ou 80 années précédentes, on avait été en conflit 3 fois avec l'Allemagne quand même. J'ai parlé que celui de 1914, mais il y avait 1870, il y a eu bien sûr aussi la Deuxième Guerre mondiale. Donc l'Union est terriblement imparfaite, mais elle a le mérite au moins de garantir la paix. Et l'Union, elle fait la force, effectivement, dans un environnement mondialisé. Si on veut peser sur un certain nombre de sujets, l'Union, elle est incontournable. Si on veut peser dans les négociations à l'OMC et défendre une certaine vision du monde qui est la nôtre, d'une économie sociale de marché, qui est d'ailleurs inscrite dans les traités, je pense que Jean-Marie ne me contredira pas, je crois que c'est l'article 3 des traités qui dit, nous, notre vision du monde, c'est l'économie sociale de marché. C'est un certain équilibre entre la création de richesses, mais aussi la solidarité. Ce n'est pas forcément la vision du monde des autres grandes puissances. Si on veut peser à l'OMC dans les négociations et faire valoir ce type de vision, et faire en sorte que on défende en particulier nos choix en matière de création d'un filet de protection sociale très significatif, hein, le choix de dépenses sociales élevées, je crois qu'Angela Merkel le dit régulièrement, on a, je crois, 20% de la création de richesses mondiales, je crois 6%, 20% de la création de richesses mondiales, mais 50% des dépenses sociales mondiales, je crois, quelque chose comme ça, vous connaissez sûrement aussi ces chiffres. C'est un vrai choix qu'a fait l'Europe. Si on veut les défendre au niveau, de, par exemple, des négociations internationales, il faut peser. Si on veut également se défendre par rapport à des grandes puissances. Moi, j'aime beaucoup les Américains, c'est des amis, j'ai beaucoup travaillé avec eux, mais quand ils viennent espionner les conversations de nos dirigeants politiques et économiques, d'ailleurs, je suis scandalisé. Pour développer des moyens pour riposter à ça, il faut s'unir, il faut mutualiser nos moyens, c'est évident. L'affaire Snowden l'a rappelé. On ne peut pas se battre tout seul. Les moyens, ne serait-ce que le budget de la CIA, est supérieur au budget de la défense française. Vous ne pouvez pas vous battre tout seul sur des sujets comme ça. On l'a bien vu avec Galileo aussi. On ne peut pas tous dépendre uniquement du système de GPS américain. On a aujourd'hui de nombreuses industries, notre armée, qui ont besoin d'un système propre. On ne peut pas être en situation de dépendance complète par rapport aux États-Unis sur des enjeux comme ça. En matière de lutte également contre l'immigration, c'est un vrai sujet. On est 28 pays à avoir le même problème, à attirer des populations assez logiquement, d'ailleurs du sud
et de l'Est qui sont attirés par l'Eldorado européen, c'est normal de mettre en place des politiques à la fois de protection de nos frontières, mais il faudrait le faire de façon à la fois beaucoup plus efficace, mais aussi beaucoup plus humaniste, hein, pour ne pas voir les noyades à Lampedusa qu'on voit régulièrement. Et pour ça aussi, il faut mutualiser des moyens. Il y a une agence qui a été créée, qui s'appelle Frontex, en 2004, à Varsovie, mais qui n'a pas les moyens de sa politique. Il faut avoir des bateaux, des hélicoptères communs. Les bateaux ne peuvent pas s'arrêter à la frontière des eaux territoriales franco-espagnoles parce qu'on n'est plus dans les eaux territoriales françaises quand on a des problèmes de passeurs ou de ce type-là. Donc il faut mutualiser nos moyens sur un certain nombre de sujets. Et donc l'Europe, elle est incontournable. Après, elle fonctionne mal, et elle fonctionne mal, je pense, en grande partie à cause de la France. Je pense que la France a une très lourde responsabilité dans cette situation. On a des dirigeants politiques, mais c'est lié au débat qu'on avait tout à l'heure, qui ne sont plus porteurs d'aucune vision, plus porteurs d'aucune conviction, qui ont souvent envoyé à Bruxelles, à quelques exceptions près, bien sûr, comme Jean-Marie, comme un certain nombre d'autres députés européens, mais très souvent les recalés de la politique nationale. Regardez qui on a nommé aux affaires européennes dans le gouvernement actuel. On a eu, je crois, 3 secrétaires d'État aux affaires européennes en 2 ans. C'est le sujet le moins prioritaire, alors que ça devrait être un des plus prioritaires. Et donc la France, qui a été longtemps le moteur de la construction européenne, ne l'est plus. Elle n'est plus porteur d'une vision. Aujourd'hui, en plus, c'est l'homme malade de l'Europe, pour toutes les raisons qu'on évoquait tout à l'heure. L'Union, elle a été construite par la France et l'Allemagne, évidemment, on le sait très bien. Et grâce à un équilibre intelligent entre les deux grandes puissances, si vous avez un des partenaires qui fait défaut, l'Europe, elle n'avance plus. Donc c'est exactement ce qui se passe depuis une vingtaine d'années. Et donc l'Europe est au milieu du guet. Alors, cela dit, moi, je suis enchanté de voir ce que Jean-Claude Juncker a annoncé récemment, parce qu'on a l'impression quand même qu'il y a un certain nombre de sujets qui ont été compris. La nécessité d'arrêter de légiférer à tout prix, la nécessité d'avoir une commission restreinte, hein, puisqu'on a un certain nombre de commissaires vice-présidents. Donc il y a un certain nombre de messages qui ont été entendus. Moi, je trouve ça très bien. Je pense que les choses vont dans la bonne direction. Mais clairement, il manque une France forte. Et je pense que Jean-Marie sera beaucoup plus capable d'en parler que moi. Mais le crédit de la France à Bruxelles n'est plus tout ce qu'il était. Et on a bien vu, on s'est battu pour que Pierre Moscovici ait un poste un peu prestigieux. Ça a été un combat invraisemblable parce qu'on n'a plus du tout de crédibilité, on n'a plus de légitimité, alors qu'on est un des piliers de la construction européenne depuis toujours et que l'Europe a besoin de la France a besoin de l'Europe. Dernière question, puis on va passer la parole à Jean-Marie Cavada et prendre vos questions dans le public. Vous en avez certainement de très précises. Dernière question, j'imagine qu'il y a des pharmaciens, des notaires, des professions du droit, sont membres de Nous Citoyens. À la fin des années 50, un rapport Rueff-Armand, qui avait été à l'époque loué comme la quintessence de ce qu'il fallait faire, avait dit qu'il faut absolument modifier, déréguler le secteur dit des professions réglementées, parce que c'est un des blocages français auxquels donc il fallait s'attaquer déjà à l'époque. Évidemment, rien ne s'est passé. On est en 2014. Montebourg, puis Macron vont présenter une loi dite croissance, pouvoir d'achat, concurrence, dans quelques semaines, où ils s'attaquent à nouveau, enfin apparemment ils ont pour une fois la volonté assez radicale de s'attaquer à ces monopoles, on va dire rapidement. Est-ce que, d'abord, vous pensez que c'est une bonne piste ou une fausse piste? Jusqu'où est-ce qu'il faut aller? Vous êtes un entrepreneur, vous êtes, j'imagine, pour la concurrence, en tout cas jusqu'à un certain point. Est-ce que la France ne souffre pas là aussi quand même d'une forme de conservatisme sur un certain nombre de secteurs qui bénéficient, comme on le dit, je ne sais pas si c'est exact, d'une rente indue? Ouais, et vous dites qu'il ne s'est rien passé sur ce sujet-là, mais enfin, il ne s'est rien passé sur tous les sujets, hein, donc à peu de choses près. Hein, moi, j'ai passé en revue l'ensemble des politiques. Absolument. Après, il y a une question de détermination des priorités. J'ai passé en revue pendant l'année dernière la plupart des politiques publiques françaises sur pratiquement tous les sujets. Il ne s'est rien passé depuis 40 ans ou 50 ans, donc ce n'est pas très surprenant. Il y a probablement un sujet. Moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas de sujet. Moi, effectivement, je suis favorable à une concurrence régulée, pas une concurrence complètement folle. D'ailleurs, j'ai eu la chance de faire partie de l'autorité de la concurrence, du collège de l'autorité de la concurrence pendant quelques temps, que j'ai quitté à un moment donné quand je suis rentré en politique parce que je ne voulais pas avoir de conflit d'intérêts. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet. Néanmoins, je pense que ce n'est pas la priorité. Je pense qu'en termes de corporation, de rente, puisque c'est les mots que vous utilisez,
il y a des sujets beaucoup plus prioritaires. Et il y a un sujet, il y a une corporation dont il faut s'occuper en priorité, et encore une fois, sans brutalité, et pour éviter que les choses se passent dans l'urgence et avec probablement beaucoup de brutalité et beaucoup d'inégalité, c'est la corporation des fonctionnaires. Pour éviter de devoir le faire dans l'urgence, avec des risques que ça se fasse brutalement et avec beaucoup d'injustice. Il faut réfléchir aujourd'hui à la façon dont on remet en place, dont on remet à plat le modèle français de fonctionnement de la fonction publique et bien sûr, entre autres, le statut des fonctionnaires, le nombre d'heures travaillées, le nombre de vacances, l'ensemble des avantages liés à cette fonction. Pour des fonctionnaires moins nombreux, mieux payés. Et donc ça, je pense que c'est le sujet principal. Et c'est là-dessus que se trouvent les leviers et les enjeux. C'est là-dessus qu'on trouvera les dizaines, voire les centaines de milliards, parce que selon nous, il faut trouver pas 50, mais 200 milliards. Hein, je pourrais vous dire pourquoi, si vous voulez. On parlait tout à l'heure... Dites-le. Je peux le dire très rapidement. Il y a pour deux raisons très simples. J'ai parlé tout à l'heure du niveau de prélèvement qui est 46 points de PIB en France contre 40 en moyenne en Europe. Complètement anormal qu'on ait 6 points de PIB de plus, ça fait 120 milliards. Ensuite, on a un déficit récurrent, structurel, financé aujourd'hui par l'endettement. Encore une fois, je vous rappelle que nous empruntons tous les jours 800 millions d'euros pour boucler la paye des fonctionnaires. Pas pour laisser à nos enfants des TGV, des autoroutes, des infrastructures, mais pour boucler la paye des fonctionnaires pour financer les transferts sociaux. On emprunte 800 millions d'euros par jour. Ce déficit, il représente, on l'a vu, entre 80 et 90 milliards d'euros par an. Donc, c'est inadmissible, c'est anormal que nous continuions dans cette voie-là. Ça n'est pas pérenne, c'est extrêmement dangereux. Et donc, il faut trouver 120 milliards pour que le niveau de prélèvement soit en phase avec la moyenne européenne, plus 80 à 90 milliards pour qu'on n'ait pas ce déficit récurrent structurant. Donc, il faut trouver 200 milliards. Et on trouvera les 200 milliards en allant regarder ce qui se passe dans toutes les fonctions publiques. Merci. Ben, sur ce discours, j'allais dire martial, moi, je vais m'arrêter de poser des questions, mais je vais donner la parole à Jean-Marie Cavada. Alors, est-ce que on vous donne un micro? Est-ce que vous nous rejoignez? Peut-être venez nous dire un petit mot. Bonjour. Pourquoi, Jean-Marie, avez-vous quitté l'UDI pour rejoindre cette nouvelle galère? Parce que toute aventure est une galère. Une galère, c'est un bateau. Qui est un bateau. Qui est bien armé. Qui est nous citoyens. C'est une galère. Et oui. Que comptez-vous y faire? Bon, d'abord, je vais vous remercier de votre invitation. Pour répondre directement à votre question, les choses se sont faites très vite. Denis, il y a une semaine et un jour, si ma mémoire est bonne, m'a dit, voilà, moi, pour des raisons personnelles d'une part et aussi de réflexion, je vais prendre du recul pour mûrir sans doute ma réflexion et surtout pour entamer la deuxième étape de ce mouvement. C'est un mouvement, mesdames, messieurs, ce n'est pas un parti au sens classique. C'est un mouvement qui agit dans la sphère publique, c'est-à-dire qui prétend à moderniser et organiser la société française pour lui redonner une capacité de développement et par conséquent une capacité d'espoir pour la population. Et vous voyez bien que la première fonction de ce mouvement politique, au sens noble du terme, public, la chose publique, l'organisation publique, eh bien, la première chose, c'est d'éviter que cette organisation se fasse dans la brutalité et l'extrémisme qui flotte quand même dans l'air avec à peu près 25%, bas mot, de l'acquiescement des suffrages des électeurs de ce pays, ce qui, naturellement, est une situation à la 1956-1957, et on sait comment ça s'est terminé en 1958. Je fais souvent cette référence parce que nous arrivons à un moment où on voit que les institutions qui stabilisent la France sont elles-mêmes atteintes par le choc de la déconsidération, par le bricolage politique et surtout par le fait que nous sommes sur une pente déclinante qui s'accélère, dont la vitesse de déclin s'accélère pour deux raisons. Pendant plus de 30 ans, les réformes qu'il aurait fallu faire progressivement, et nous en avions la latitude sans brutalité, s'il y avait eu un peu de courage, auraient remis le bateau dans le droit fil de l'évolution mondiale, du panorama notamment économique, des lieux de puissance qui, petit à petit, on le voyait bien, ça commençait sur la fin de Nixon, commençait à passer de l'Atlantique, des rives de l'Atlantique, vers les rives du Pacifique,
Ça s'est fait d'abord avec le Japon, puis ça s'est fait ensuite, vous l'avez vu, et avec quel spectaculaire transfert vers la Chine. Nos réformes n'ont pas été faites. Pourquoi ? Parce que le système lui-même s'est abandonné à lui-même. Les systèmes n'ont pas de valeur, je dirais, déifiée. Les systèmes, c'est la réponse à des situations. Et nous n'avons pas travaillé, pour des tas de raisons dont une partie ont été exprimées par, tout à l'heure par Denis, et qui sont vraiment très profondément justes et qu'on ne peut pas renier. Pourquoi ai-je accepté ? Moi, je ne suis pas un politique au sens que je n'ai pas eu dans ma vie la révélation sur le chemin de Damas en disant « je vais faire toute ma vie à l'ombre d'un conseil municipal, d'un conseil général, d'une élection législative. Si ça ne marche pas, je vais essayer le Sénat. Et puis, comme maintenant ça marche, je suis sûr que je suis le meilleur pour être président de la République. J'ai de l'orgueil, mais je ne cultive pas les melons. Il n'y a en tout cas pas pour moi ma propre existence personnelle, mon chemin, mon parcours dans la République française qui m'a tout donné, tout offert. Ma famille a été détruite et donc c'était elle le business object qui m'a mis dans la société française. Eh bien, depuis 10 ans, j'ai décidé de quitter les médias où j'avais fait le tour, de vendre mes entreprises privées, car je suis un peu dévote pour ceux d'entre vous qui sont entrepreneurs. Je sais ce que c'est qu'une facture, je sais ce que c'est qu'un fournisseur, je sais ce que c'est qu'un contrat social avec un salarié, je sais ce que c'est qu'une charge, des impôts. Et on pourra me raconter tout ce qu'on veut. L'ensemble du contrat social français n'a pas aujourd'hui de meilleur modèle que le contrat Rhénan et la réforme Schröder-Hartz. C'est-à-dire que l'ensemble doit être lié à la vitalité économique matérialisée par le carnet de commandes et non pas par tout un empilement que même un inspecteur du travail aujourd'hui n'arrive plus à vous dire de chic. Je décris une réalité, vous le savez comme moi. Autrement dit, nous avons besoin non pas de casser, mais de construire un équilibre. C'est tout à fait différent. Ce déclin casse le contrat social, et puis surtout ce qui est très grave, c'est que depuis maintenant 4-5 ans, et c'est très frappant depuis les 2 dernières années, je trouve, l'opinion française a renoncé à prendre en main la participation de l'effort pour son propre destin, parce que personne ne lui en donne les voies, les moyens, et alors elle se réfugie dans une sorte de nihilisme, tout se pourrit, tout ce qui bouge, ça va des patrons intellectuels, les journalistes, les architectes. Au fond, aujourd'hui, il vaut presque mieux être prostitué que responsable politique, parce qu'au moins, on a un peu de commisération pour vous, ce qui n'est pas le cas pour les responsables, les élites et tout ce qui doit se mettre en marche frontale pour faire ressurgir notre pays. Je n'étais pas un professionnel, mais je veux dire que l'organisation politique, c'est un métier qui s'apprend, ça ne peut pas s'inventer. La deuxième étape de nous citoyens, dont la naissance et l'émergence m'avaient beaucoup frappé, c'est d'éviter que tout ça se réfugie dans le poujadisme, dans ce nihilisme poujado qu'on voit dans le pays et dont le Front National est aujourd'hui un des réceptacles, par la négative. Si vous écoutez le discours de ses dirigeants, c'est faux pas, il n'y a qu'à. Tout est mauvais. Si ce n'est peut-être à l'exception de M. Poutine, où j'ai entendu une phrase positive en début de semaine, tout est mauvais. Et on voit bien que tout ça, ça ne peut pas tenir. Alors, dans le droit fil de Pierre Mendès-France et d'un monsieur qui fut un peu mon maître et qui fut mon ami, M. Raymond Barre, qui malheureusement est parti, je voudrais dire que les peuples ne sont pas ignorants des choses. Bien sûr, ils ne comprennent pas, ce n'est pas leur métier, ce n'est pas leur activité, les enjeux qu'il faut maîtriser pour moderniser notre pays qui est plein de ressources, c'est une évidence, et qui est encore riche pour supporter tout ce qu'on lui fait supporter, par parenthèse, dans sa richesse privée, par parenthèse. Mais je pense que maintenant, on le voit, l'opinion est mûre pour entreprendre un mouvement si on lui donne un but. Et si les gens qui donnent ce but répondent à 2 conditions, travailler avant de parler et proposer secteur par secteur des réformes justes, mises en place par des gens honnêtes. Je reprends, réformes justes, mises en place par des gens honnêtes. Si un chef d'entreprise se permet ce qu'on voit dans le laisser-aller de certains dirigeants politiques, c'est pas nouveau tout ça d'ailleurs, hein.
c'est vieux comme la collectivité, eh bien, il va le lendemain matin devant le juge. Vous le savez bien. Il y a une sorte de laisser-aller moral dans le fonctionnement des responsabilités publiques qui a découragé les gens et les précipite vers cette révolte, ce nihilisme, Poujadis, cette colère. Parce que les élections, elles montrent quoi ? Il y a moins d'un citoyen sur deux aujourd'hui pour s'occuper de son propre avenir. Et donc, on voit bien qu'on ne peut plus avancer comme ça. C'est terrible, ça. Surtout au suffrage universel direct, ce qui est le cas pour beaucoup d'étages de l'élection des pouvoirs publics en France. Alors, c'est la raison pour laquelle moi j'ai accepté, parce que je pense deux choses. Il ne peut pas y avoir de construction européenne et de marche en avant de l'Europe sans une France remodelée et forte, plus forte, et qui répond elle-même à ses propres devoirs dans la collectivité des 28. Deuxièmement, il n'y aura pas, à l'inverse, de réforme en France si la construction européenne s'arrête. Nous sommes dans un système gigogne. Notre horizon patriotique, économique, social, et je dirais en ce qui concerne l'ensemble de l'équilibre police, justice et liberté fondamentale, il n'est plus l'apanage d'un territoire national de 555 000 km². Il s'apprécie dans un ensemble de 500 millions d'habitants qui ont en commun deux choses. Vouloir prospérer, voyez l'exemple de la Pologne, le chemin qu'elle a fait en 10 ans, dans à peu près les mêmes normes, les mêmes lois du bien vivre ensemble. Pourquoi ? Parce que nous nous reconnaissons dans ce bien vivre ensemble par rapport aux autres grandes entités continentales mondiales que sont les États-Unis, que sont la Chine, que sont l'Inde et bientôt l'ensemble du sous-continent asiatique, et que devient, est en train de devenir, fort heureusement d'ailleurs, l'Afrique qui commence à se découvrir pour certains pays une croissance, un avenir et une lutte pour organiser démocratiquement le bien vivre ensemble en question. Et ceci n'est pas de l'ordre de la politique politicaille de basse besogne. Et quand j'entends ce que dit le mouvement et ce que dit Denis, c'est une évidence qu'il faut que la vie publique s'impose des règles d'exemplarité, parce que d'abord elle ne vit pas avec son argent, elle vit avec l'argent de vous tous. Et que ceci impose, surtout au moment où on demande à la population des sacrifices, des efforts, eh bien que ceux qui le leur demandent soient exemplaires. Voilà l'univers, je dirais, économico-moral de base. Et j'en termine, Jérémy, parce que je veux pas, mon propos n'est pas d'être trop long là, de la manière suivante. Je crois profondément, le mouvement qui s'est dirigé d'ailleurs vers nous, citoyens, tente à le prouver, que le pays comprend qu'il a vieilli, que ça ne marche plus, que c'est injuste et déséquilibré, et surtout que c'est vétuste. Il le comprend. Ce qu'il n'admet pas, c'est que d'abord, beaucoup de catégories sociales n'ont pas accès au pouvoir. Il faut donc réguler cette affaire. Et surtout, ce qu'il n'admet pas, il est prêt à faire l'effort, mais ce qu'il n'admet pas, c'est qu'on bricole, monte, démonte, et au fond, que l'exemplarité n'est pas au cœur de ce système. Car enfin, regardez, entre Urba Graco il y a 20 ans, pour ne prendre que ça, pour la gauche et ses petits approvisionnements financiers, entre ça et Big Malion, qui c'est stupéfiant, je trouve, et dont l'émanation est une insulte et une gifle à la feuille d'impôt, au comportement civique. Un type qui se présente à l'élection et le lendemain, pas 48 heures plus tard, le lendemain, vient à la télévision avec un petit mouchoir et de grosses larmes pour dire, au fait, j'ai oublié de vous dire, je suis un malfrat, j'ai fait ou laissé faire des fausses factures partout pour approvisionner un système politique qui avait des gros besoins d'argent. Faut-il tant de fric pour faire de la politique d'ailleurs, par parenthèse, c'est encore une autre question. J'ai oublié de vous dire ça, mais naturellement, je suis élu et je ne bougerai pas. Ce qu'il était en train de dire, le message, c'est faites comme moi. Dites une chose, mais faites ce qui vous arrange. Et c'est ça très profondément qui génère une colère sur laquelle surfent des gens en qui je n'ai absolument aucune confiance et que je ne veux pas voir au pouvoir dans notre pays. Alors, de quoi avons-nous besoin ? Je dirais que les deux choses les plus urgentes, et ce sera ma conclusion, elles tiennent dans une très grande modestie, vu que tout est dit et même qu'une partie, une de ces deux choses est déjà faite. La réforme Schröder-Hartz
ancien DRH de Volkswagen, c'est pas par hasard que son pragmatisme a pris vertu et force de loi. C'est-à-dire tout ce qui concerne l'univers du contrat social, du panorama, je dirais, du financement des institutions sociales, que ce soit la Sécu, que ce soit la retraite, etc. Premièrement. Deuxièmement, la méthode. C'est de l'ordre du contractuel entre l'entreprise, en tout cas la branche entrepreneuriale, et le regroupement des salariés sous forme de syndicats ou de fédérations syndicales, comme c'est le cas avec la DGB en Allemagne. Il faut faire redescendre la responsabilité et la négociation plutôt que, je dirais, l'autorité du décret impérieux. Parce que qui a pourri les relations sociales en France ? L'État, mesdames, messieurs, lui-même. Pourquoi ? Parce que dans toute négociation de transformation des rapports à l'avantage de la production de la richesse, au bout du deuxième jour de négociation, l'État a sorti son texte et a dit « Vous signez ». Trop heureux, tout le monde a signé, y compris le patronat qui se sentait moins engagé dans cette affaire, y compris les syndicats qui ressortaient et sur le perron même de la négociation, on l'a vu, critiquaient la négociation, critiquaient le processus auquel ils participent depuis des lustres. Ça n'est pas du niveau de la responsabilité de l'État. L'État doit encadrer ce que les forces vives négocient. Ça, c'est la première chose. La réforme Schröder, dans toute son acception, moi, je dénie à l'État le droit de dire à quel âge je dois partir à la retraite, vu qu'il ne l'applique pas, vu que ceux qui font les lois ont déjà souvent dépassé, et qui les votent, en tout cas, l'âge en question qu'ils prônent pour les autres. Tout ça sont des foutaises, des enfantillages qui n'ont plus cours. Il y a un plancher, il faut avoir acquis des droits, et après, c'est mon patron qui me dit « j'ai envie de te garder, est-ce que tu acceptes ?» Je dis « non, j'ai envie d'aller faire du tourisme, alors au revoir, on se sépare dans les conditions prévues. » Ou bien « oui, j'ai envie de continuer à produire, de continuer à produire et transmettre, parce que ça ne s'apprend pas un métier quand on est jeune. Ça ne s'apprend pas du jour au lendemain, ce n'est pas une science infuse, etc. » J'en ai comme ça toute une tonne, ce n'est pas ici le lieu de le développer. La première chose, c'est ça, la réforme de la production de la richesse, de la protection d'un nouveau contrat social négocié. Là où la richesse se fait par le capital investi, par le capital travail, comme aurait dit ce bon vieux Marx, c'est-à-dire, encore une fois, la contractualité par branche professionnelle. Pourquoi par branche ? 35 heures à Paris en été, il faut faire au moins pour les professions du tourisme le double. Pendant ce temps-là, à Val d'Isère ou à Courchevel, ça suffit bien largement. En revanche, en hiver, les mêmes 35 heures dans les endroits où il y a de la neige, c'est pas assez, il faut faire le double. Et à Paris, on peut se calmer. Enfin, on voit bien que tout ça, c'est une sorte de rigidité doctrinale stupide. Vraiment. Et d'ailleurs, elle n'est stupide que parce qu'elle est arrogante. Il faut de la modestie. La réforme de base dont nous avons besoin, elle existe, elle a été faite en Allemagne, un peu avant, en Suède et au Danemark, un peu avant, au Canada. Que nous en inspirions. La deuxième chose, et c'est le pendant de cette affaire, c'est qu'il faut revoir l'organisation des pouvoirs publics en France, y compris les lois, je dirais, de respect de l'éthique professionnelle, de l'entrée et de la sortie de la responsabilité publique, que Denis a déjà très largement revisité. Alors maintenant, le mouvement, il entame une deuxième étape, qui est celle sur la base de ceux qui produisent la richesse à des niveaux X ou Y, hein, de se tourner vers l'ensemble de la société pour proposer un nombre très limité de modifications dans un calendrier que nous allons sans doute affiner pour avoir, je dirais, des spadassins, des lanciers avancés, venus de la société et opérant leur pédagogie dans la société afin de pousser les pouvoirs publics à modifier leur comportement et d'y participer nous-mêmes à travers les différentes élections qui auront lieu, parce que la responsabilité publique n'est pas une chasse gardée, estampillée, normée par tel ou tel type de grande école, contre laquelle je ne suis pas, contre le totalitarisme desquels je suis absolument, parce qu'elle ne représente pas la société française. Et cette deuxième étape, eh bien évidemment, je l'engagerai avec Denis, dont j'espère qu'il ne disparaîtra pas dans le trou de la méditation, mais naturellement, nous allons travailler. Et je suis très content de servir à nouveau de cette manière ce que j'ai profondément aimé dans la République, c'est-à-dire, au fond, et qui n'a pas d'égal à mes yeux, faire d'un enfant de l'assistance publique qui gardait des vaches dans sa jeune enfance, l'homme qui a pu faire le chemin dans le parcours que j'ai pu faire dans notre pays. Rien n'a changé, il faut que ça dure, et donc il faut le mettre en forme pour notre propre avenir aussi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Jean-Marie Cavada, bonjour.